a un enfant en bas âge, une nourrice, ça coûte très cher, on n'en a pas forcément les moyens. Nos familles sont à Paris, donc on n'avait personne. Et quand on a un enfant en bas âge, c'est à ce moment-là qu'on a le plus besoin de sortir en couple. On n'avait pas de temps pour nous, mais on n'avait pas de temps pour nous deux. Et on s'éloignait plus qu'autre chose alors qu'on vivait ensemble, mais on ne se voyait plus, on ne se parlait plus. Je pense que l'enfant est heureux si les parents le sont. Et pour que les parents le soient, ben je pense qu'ils ont besoin d'avoir une petite façon de s'échapper. Ce soir, les enfants sont pas là. Ils sont à Casse-Noisette. C'est une petite crèche qui est juste à côté de chez moi, qui permet aux parents de déposer leurs enfants. À tour de rôle, les parents, plusieurs parents se retrouvent pour garder les autres enfants. Toute l'année, on se relaie et puis ça permet du coup aux parents, aux couples de se retrouver. Depuis 7 ans, un vendredi par mois, nous déposons nos enfants ici avec joie. On se débrouille même pour que notre agenda coïncide et pour qu'on puisse rester là les week-ends des soirées Casse-Noisette. On a tout de suite aussi été partie prenante, c'est-à-dire que les parents font de la garde aussi ici pour que le projet tienne la route. Ce qu'on propose, c'est 2 vendredis par mois, une ouverture de 19h à 23h, avec en garde une professionnelle éducatrice de jeunes enfants et un parent de garde, voire 2 parfois, parce qu'il y a 12 enfants accueillis chaque soirée, de 3 mois à 6 ans. Cette initiative, elle est partie de souhaits, de besoins de parents. On s'est dit, pourquoi pas essayer d'ouvrir en soirée pour accueillir les enfants aussi en soirée. L'équipe l'a joué fine à ce moment-là, je le dis d'autant plus que moi, j'y étais pas. Mais c'est la réponse, on va l'inventer ensemble. On a un vrai vecteur d'exemple du fait que ça peut fonctionner, que ça peut fonctionner à l'initiative des habitants. Casse-Noisette, c'est un peu un modèle sur la question du pouvoir d'agir, de l'implication des habitants, de l'émergence de projets par, pour et avec les habitants. Un modèle à grandeur nature et qui fonctionne. C'est Malika, avec un groupe de mamans, qui nous a donné l'idée de créer cette micro-crèche parentale. Un beau projet, une belle idée qu'on a portée. Les parents étaient présents depuis le début. Quand on a commencé à faire l'écriture du projet éducatif, pédagogique, ils étaient présents. On a mis en place un déroulement de soirée, heure par heure. Qu'est-ce que vous souhaitez voir durant cette soirée? Donc c'est à partir de là où nous avons construit ensemble. On a décidé de prendre du temps pour nous en tant que parents. C'est les témoignages de parents qui m'ont touchée. De se dire qu'ils ne pouvaient plus sortir parce qu'ils n'avaient pas de possibilité de garde. Proposer à des parents de souffler, de vivre. Pour ceux qui sont parents, on sait que c'est bien aussi de temps en temps de ne pas avoir ses enfants. Travailler cet accompagnement des familles dans l'exercice de leur parentalité, y compris savoir arriver à se détacher des enfants, et en même temps dans leur parcours vers des actions culturelles. On voulait aussi promouvoir le culturel. D'utiliser cet outil qu'est Casse-Noisette pour sensibiliser aussi des gens qui pensent que la culture n'est pas faite pour eux. Si on veut que des familles accèdent à la culture, aller au théâtre, aller au cinéma, ou que sais-je, dans les meilleures conditions possibles, eh bien, accueillons leurs enfants le soir. Promouvoir le lien entre les habitants. Peut-être que ces parents-là, ben, dans le centre, mais aussi en dehors du centre, pourront créer du lien entre eux et faire de belles choses, quoi. Au départ, on était donc un certain nombre de parents. Et puis au fur et à mesure, comme on a la chance d'habiter à peu près tous dans le même quartier et de fréquenter à peu près tous les mêmes écoles, on s'est mis à être de plus en plus nombreux et puis ça a fonctionné un petit peu au bouche à oreille. Et puis au fur et à mesure, les gens se sont rendus compte que finalement, pour une soirée passée, ils avaient l'occasion derrière de pouvoir sortir plusieurs fois dans l'année. Ce qui, quand on a plusieurs enfants comme moi, est quand même un sacré avantage. Et du coup, ils se sont eux-mêmes en fait volontairement proposés pour faire des gardes à alterner, quoi. C'est une fierté un peu parce que ça fonctionne bien. Dès qu'on en parle, il y a du monde qui est intéressé par ce projet-là. Ce qui m'a étonnée, c'est qu'effectivement, il y a une continuité. Ça fait quand même maintenant 4 ans qu'il existe. Et c'est ce qui m'étonne le plus. Je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin. Ça nous a permis d'avoir au moins une fois par mois un moment où se retrouver ensemble et pouvoir échanger sans pour autant échanger au sujet de l'enfant. C'était vraiment notre seule issue en fait.
que nous, on puisse se retrouver. Alors souvent, on peut aller au cinéma, on va au restaurant. Ou là, ce soir, on est avec des amis. Voilà, donc ça nous permet un petit peu de prendre un peu de temps sur les enfants. Une maman, voilà, en famille monoparentale, qui a tous les enfants tous les jours, ben faire un moment un break, c'est super, et avoir un moment pour soi. Prendre une babysitter le soir, ça coûte très très cher. Donc là, par rapport au tarif proposé, tarif PSU, prestation service unique par la CAF, c'est en fonction de leurs revenus, donc c'était plus intéressant pour eux. Ça a permis de leur ouvrir un autre univers, et moi c'est ce qui m'a satisfait, c'est de voir ses parents épanouis, heureux, de pouvoir laisser leur enfant et de sortir, et aller au cinéma, aller au restaurant, aller au théâtre, voilà, se retrouver même entre amis, revoir une vie sociale. La fête pour nous de pouvoir sortir sans se dire qu'on abandonnait nos enfants. Une maman, c'est la première fois qu'en venant ici qu'elle a pu aller au théâtre avec d'autres personnes. Elle n'a pas eu peur d'y aller, elle dit c'est organisé, donc j'y vais. Et puis elle a découvert des choses. On a profité de temps libre pour nous, pour faire du sport, pour aller au restaurant, pour aller au cinéma. Pour nous, ça nous permet de sortir, même si c'est pour 3 ou 4 heures, faire des sorties entre amis ou aller voir des choses à l'extérieur. Ce soir, on est allé, on a pris le métro, on est allé sur la presqu'île, on a fait un petit resto. Après, on a fait un petit théâtre à Comédie Odéon, voilà. Ça nous a permis, nous, de pouvoir profiter de nos soirées tranquillement. Ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas l'occasion de faire, je pense, si la structure n'existait pas. Je pense que ça nous permet d'être un peu plus détendus. Voilà, ça aide. Et les parents étaient satisfaits de faire la garde aussi, parce qu'ils se sont dit, tiens, on va voir enfin comment ça se passe dans une crèche, comment on prend en charge nos enfants quand on n'est pas là. C'est quand même une expérience qu'on vit qui est assez... Pour en tant que parent, qui est assez géniale. Parce que les enfants, ils ne sont pas du tout pareils entre la maison... Et ici, on vit avec eux pendant qu'on est à la garde et ils ne nous prennent pas pour les parents, ils nous considèrent comme un adulte. C'est une manière de les découvrir. On voit comment ils réagissent avec les autres enfants. On n'est pas que parents, on est aussi une personne qui les accompagne pendant une soirée. Ce qui est sympa, c'est l'implication des parents aussi dans le système, qui fait qu'on apprend à se connaître aussi entre nous via ce mode de garde. C'est un temps convivial aussi pour les parents. Quand on n'a personne autour de soi, finalement, la crèche du soir, c'est chouette aussi pour ça. Le relationnel avec les autres parents... qui se crée, qui est très plaisant aussi. On se retrouve à avoir une espèce de communauté de parents qui ont après un plaisir à se voir, même quand c'est pas pour les soirées crèche. On sait qu'on se connaît, on sait qu'on peut se faire confiance, on peut créer des choses. Parents épanouis, ça fait des enfants aussi épanouis. Généralement, tous les enfants sont contents de venir. Des fois, la séparation est compliquée, mais au final, ça se passe super bien après. Et ceux qui ont l'habitude, c'est super. J'ai jamais vu d'enfants partir en pleurant. Enfin, si, des fois, ils partent en pleurant parce qu'ils ne veulent pas partir. À force de se voir régulièrement, ils ont développé en fait, des relations d'amitié avec tous les autres enfants. Ils retrouvent leurs copains d'école. Les trois, ils sont dans la même école, là. Du coup, ils se connaissent bien, ils se sont vus déjà la journée, ils se retrouvent le soir. Les enfants sont ravis pour eux. C'est une espèce de soirée de fête. C'est leur soirée aussi, c'est leur soirée pyjama, la première soirée pyjama. Et même ça s'est transformé en soirée déguisement. Les enfants n'étaient pas, non pas dans leur lit à dormir, mais aussi à faire un peu la fête aussi. Donc c'était pas trop la punition d'être gardé, c'était au contraire la fête pour tout le monde. Côté accompagnement à parentalité qui rentre en jeu, et on est proche aussi des familles parce qu'en soirée ils sont en garde avec nous et on a un autre rapport, les enfants aussi. Ce que je trouve intéressant, c'est d'une part la dimension parentale qu'on trouve pas souvent dans nos structures parce qu'on est d'abord dans le registre du mode de garde et pas forcément et de l'accompagnement des familles, mais pas forcément dans des gardes partagées. Donc je trouvais que là il y avait une véritable originalité. On est content en tant que professionnel de voir que les enfants sont ravis de venir, de voir les parents enjoués de partir en soirée. Donc on est content. J'aurais bien voulu qu'il y ait un projet aussi quand mes enfants étaient petits. Ça m'a rappelé ça aussi, que moi, à un moment donné, j'étais, en tant que maman, j'étais en difficulté pour faire garder mes enfants. C'est vrai, c'est pas tout le monde qui pourrait porter ce projet-là, parce que quand je l'ai porté, j'ai aussi fait les soirées. C'était en plus de mon travail en journée. Je rendais à quelque part ce que je n'avais pas eu, et le fait de voir les parents aussi heureux, j'étais aussi satisfaite de ça.
la soirée par faire des jeux en autonomie. Donc je mets en place des jeux et après ils jouent selon leur envie. Ensuite on passe au repas où c'est un moment très convivial. J'ai mangé des oranges, j'ai mangé tous des fruits, des molettes. La mi-molette. Et il y avait des petits poupons. Après, donc petit moment en temps calme où on lit des histoires, on couche les premiers bébés, ceux qui dorment plus tôt, et après on fait des activités. Moi je sors pâte à modeler, dessin, peinture, ça nous arrive. On va faire du dessin. Et après, oui, on va faire du dessin. Casse-noisette, c'est une expérience qui est partie. Je pense d'un besoin des habitants qui nous était remonté de pouvoir avoir un moment à eux, surtout pour des familles qui n'ont pas de parents à côté, des familles monoparentales qui s'occupent de leurs enfants et qui avaient besoin de souffler. Il existait au centre social de Cusset des sorties culturelles. Il y avait des parents qui souhaitaient sortir. Leur besoin au départ, effectivement, ils souhaitaient sortir pour faire des sorties culturelles. Mais après, au fur et à mesure qu'on discutait, qu'on échangeait ensemble, c'était tout un autre besoin. Ils avaient besoin de se retrouver en couple ou parents seuls pour avoir du temps à eux. Quand on a eu Noah, on a vécu 2 ans très difficiles. Les 2 premières années, c'était un enfant qui était très très stressé, très énervé, qui pleurait énormément, qui dormait très très peu. C'est assez compliqué de trouver du temps libre. Quand on travaille, quand on a pas mal de choses à faire avec les enfants étant relativement petits, c'est quand même assez compliqué. En plus, moi, j'ai quand même 3 enfants au final, donc les faire garder même par les grands-parents, c'est quand même une sacrée aventure. On a 2 enfants, donc c'est vrai que trouver du temps en couple ou avec des amis, c'est des fois compliqué. Moi, je travaillais plus, mon mari était seul à travailler. Donc on n'avait pas forcément les moyens de se payer une nourrice régulièrement. Il y a des parents qui habitent dans le quartier, qui n'ont pas de famille autour de soi. Et ses parents, ils ne pouvaient pas se retrouver, surtout quand il y a un premier enfant ou un deuxième. Le couple souvent en pâtit, ou une maman seule souvent se retrouve en difficulté. Quand on a commencé le projet, on s'est dit, est-ce que ça existe? On a regardé ailleurs. Non, ça n'existe pas. Ah bon, écoute, il faut qu'on crée du projet. Et là, il y a la PMI, donc... il faut les convaincre, il faut monter un dossier. Donc c'est là où le fait d'avoir une structure comme le centre social où il y a des professionnels, on est pris au sérieux. Ce projet, il vient des habitants, mais il a été accompagné par le centre. Et rien que ça, ça permet d'avoir un crédit. Il fallait obtenir l'agrément de la PMI pour une ouverture en soirée. Donc il a fallu convaincre les médecins de PMI qui ont accepté, fini par accepter, suite aussi aux témoignages de parents, parce que les parents étaient aussi présents lors des rendez-vous, pour expliquer aux médecins de PMI le pourquoi ils souhaitaient... que cette garde existe. Les enfants, normalement, à une certaine heure, ils doivent être couchés. On a défendu le fait que ça se passe une fois par mois, que le lendemain, il n'y a pas école, les enfants ne sont pas levés. Là, le médecin l'a bien entendu. Pour avoir les premières accréditations, le premier droit d'essayer, ça a bien mis plus d'un an, 1 an et demi. C'est très, très compliqué de prendre du temps pour soi, de s'accorder du temps pour soi. Concevoir de laisser son enfant, c'est... presque impossible. Ça engendre beaucoup de tortures psychologiques, on culpabilise. Faites-le. Allez-y. Si le projet vous plaît, allez-y, foncez. C'est intéressant, c'est enrichissant. Faut pas avoir peur, faut y aller. Faut aussi bien réussir l'alliance entre les professionnels et les familles. Et les parents, parce qu'on devient convaincant. Des parents tout seuls, ça passera pas. Que des professionnels, à quoi ça sert? On est vraiment dans un format totalement atypique, là. Cet attelage a fonctionné, et l'initiative, elle est celle de parents. C'est un bon levier, quoi, pour dire, voyez, c'est possible. Où il existe une crèche, il y a possibilité de créer le projet garderie parentale. Essayer. Au début, c'est clair qu'il faut prendre le rythme, que c'est pas forcément si facile que ça, mais que c'est chouette, c'est une belle expérience et ils verront avec le sourire de leurs enfants que c'est des soirées top. Quand un soir, on
on fait garder les parents à Casse-Noisette et puis que c'est les enfants qui sortent au théâtre. Voilà. C'est aussi des occasions de renforcer, de faire un lien différent avec le théâtre de l'Iris, notre voisin. Et en même temps, on propose aussi autre chose aux parents. Pour l'instant, on l'a fait une fois, mais ça a très très bien fonctionné. Quand les enfants sont sortis du théâtre, sont revenus à 22h15, les parents étaient dépités parce qu'il était déjà 22h15 et qu'en fait, ils passaient un bon moment aussi. Et en même temps, on a emmené des enfants au théâtre depuis l'automne dernier. On ouvre une fois par mois. On élargit le cercle avec un accueil renforcé pour des enfants en situation de handicap. Avec cette fonction essentielle là d'offrir des espaces de respiration à des parents qui sont complètement absorbés toute la semaine par des enfants en difficulté. Ça fait partie des ouvertures, des liens qu'on continue d'essayer de tisser vers d'autres de nouvelles évolutions. C'est pas complètement gagné, hein, parce que ça se décrète pas quand on n'est pas concerné soi-même directement par le handicap. On se dit ouais, c'est génial, les parents ils vont aimer, et voilà, mais en fait le détachement est extrêmement compliqué, donc on a encore tout ce travail d'accompagnement des familles dans ce sens-là, mais on lâchera pas. Un peu à laboratoire, ça continue, c'est toujours un peu un projet Casse-Noisette. Il y a des tas de choses à inventer autour. Ce sont des parents qui ont complètement pris l'initiative du Casse-Noisette plus de 6 ans, qui a lieu en même temps que les moins de 6, mais en mode exclusivement parental. Là, moi, ce que je trouve absolument génial, c'est entièrement autogéré par les parents. Ça crée un lien, et on le sent, dans l'équipe de parents qui sont maintenant un peu les piliers du groupe des plus de 6 ans. On sent l'émulation, on voit que ce sont des gens qui se connaissent par ailleurs, qui se sont vus, que ça a créé un lien absolument fantastique. La crèche du soir a eu un tel impact sur nous et sur mon enfant qu'il y va encore. Les mamans qui ont créé la crèche du soir au tout début ont créé la suite, puisqu'il y a les 6-10 ans aujourd'hui. Mettre en place des crèches du soir partout ailleurs, c'est faire le bonheur des parents. Et par conséquent, faire le bonheur de l'enfant. Ça serait bien aussi que ça se développe. Un des objectifs de la création de cette garderie parentale, c'est qu'elle se crée dans d'autres structures. Dès le départ, on s'est dit, on va être les pionniers. Super. Il faut que ça essaime, il faut que les gens essayent. Ce qui m'a fait plaisir, c'est de savoir que les parents, ils le prennent à bras-le-corps et ils se disent, c'est bien, il faut que ça continue. Voilà, les groupes des plus grands, il y a peut-être d'autres choses qui vont émerger. Parce qu'ils se sont rencontrés ici, qu'ils disent qu'il y a des choses à faire ici. Il y a les mamans, je rentre à ma maison.